Thank you, Jesus. He's God of Abraham, Isaac, and Jacob. He's a God of Elijah. Father, we thank you, we bless all, and we give you all the praise. Father, we celebrate you. Father, we worship you in this time. We bless all, him. We are God of Abraham, Isaac, and Jacob. Un Dieu qui fait des merveilles. Et c'est pourquoi, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA, nous voulons ce matin encore glorifier le nom du Seigneur et bénir encore sa majesté pour ses hauts faits et ses œuvres grandioses qui ne cessent d'accomplir dans nos vies. Et soyez encore bénis étant à l'écoute, et jusqu'à la fin, Dieu fera des choses au vu et au su du monde entier. C'est pourquoi notre exhortation a pour thème la vie de Daniel en Babylone. Daniel Pagbe, le Babel, Nibanchi. Et tiré du livre de Daniel, chapitre 5, verset 17. Amien de le Daniel Pagbe, le Tamaton, Poupoui, Andréame. Miachle nous le Daniel Pagbe, le Tamaton, Poupoui, Andréame. Emenia au globe. Daniel Donu, Glona Fia Labena. Wonuna nao ne no anina wo. Eye nacho una amebubu. Machle, Numongola, Nasiala, Eye Made, Egomene. Amen. 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 Daniel chapitre 5, verset 17. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Amen. Amen. Yeah, yeah, yeah,
You are the Alpha Omega. There is no one like you. Abraham, Jacob, Elisa, Pemau, Mau Bagbe, when you mau ilito chichi de chichike, aye de keme de nuo, de keme liwacho sokli ogbe, de man nanyida wacho sokba pliwo. When you mau, when not told she told you bali, let's say kaoji kaobokoja. Bokboko kwe msubo ule di ya mchobu buple mchiko kwe nao. Alaba maui ile nye la mea de keme denuo. Hafikike ya nava chola Yehova we nani. Yeah. Ayu wele sime na nuo kata. Ayata chifo miyepe ole wana ya me. Bena mau bak be wonto va khosino. Winye ngudan tonu po mau. Winye amli ma po mau. Winye bokbo triakola chifo va khosino la mea de pat be meling di ya. Alebe na deo kanye nye fia. Na deo nu chua chua ofia. Na deo nu kli chua ofia. Bena nuo angu chiko kwenye wanye tou. Le Yesu Christo pwen kom nye dok bere mi khole. Amen. Merci encore ce matin. Et si nous allons parler de la vie de Daniel en Babylone, nous voulons parler de la vie de chrétien au sein d'un monde pervers aujourd'hui. Et que ma mère dit que ma pomme Christ au toit de Pâques, mais non, non, tu l'es qui fait blé à me. Et habituellement, nous parlons de notre conversion. Et tu l'as mieux pour nous qu'on a des miens, mais tu mets ton outil. Et chacun se frappe la poitrine en disant je suis repenti. Et y'a mes siens me font assis à Pâques, on a ben à des y'a trop de chimé. Est-ce qu'en effet ta vie reflète celle de Christ? Et va fendre Wak Benonoa et Bena Christ au Béak Benono Fiana. Est-ce que toi-même dans ta vie privée, et peux-tu avoir une confirmation que ta vie reflète à celle de Christ? Nous entendons le haut de Kabe à Ninonome, le cacao Hogame, à Fiamé, à l'étemé le Paul, à l'étemé à Bropel, caca de Jibna, Yébak Bela et de Christ au Tonien, Yébak Befia. Et si Job est arrivé, a dit: si Dieu me pèse dans une balance juste, il fera mon intégrité. Est-ce que tu pourras le dire, le répéter? Est-ce que si réellement Dieu te pose sur des balances justes, verra-t-il ton intégrité? Ye abale yob plenene benenye be maude wa damle sikeli chila akpo nyenu tefo olo alo nye foma di madi tonyenye ade wo ade atigbon abenya fofo yob rene bene mawo adayile yepe sikeli chia akpo ibe nye foma di la maha. En effet, le livre de Daniel insiste sur la fidélité à Dieu à une époque où des compromissions de toutes sortes menacent la foi chrétienne. Eh le sianu la Daniel pak balia elle de maubenu tefo de kochofia leia de meye sanududuo allo a ofofo se bada o no amagbeto otome. Et nous révèle que Dieu reste le maître de l'histoire malgré un déferlement de violence et de persécution et de persécution dans la vie d'un croyant. Eye agba de fia benade maula ya e poto le simenya poto le simena mokata tobo bena mo le sesen allo mi agrobe chok be fo fo me fi kede o pa plein mu chocho bara fo me fi kede o o le nyecho amagbeto fo me viaji. Et dans ce passage que nous venons de lire, et le bible avec popo me mi le fi fi la mela, et ce passage constitue le poumon central de la vie chrétienne, le fondement de la vie chrétienne qui pourra booster la foi des païens afin de les ramener à Christ. Le Québec pour qu'il m'y ait là, il y a Bible, il y a Christ au top, il y a Benono, il y a Tomachi, il y a Benono, il y a Tchofito, et il y a Benono, il y a Tchoutchou, et trop sous-bola de Bebe Wafa Christopo. Le premier miracle, c'est Dieu, c'est la conversion d'un homme, c'est la repentance, c'est-à-dire avoir un cœur repentant, un cœur reflétant celui du Seigneur. Et nous connaissons le maou bonnet. Et il y a un mépétoua de petit metotro. Alors, et tu as des ike à trop les documents. Et il y a trop de maouchi. Mais il y a un autre peu de la main. Nous pourrons
En effet, être des prophètes, prophétiser jusqu'à transporter les montagnes, déplacer les immeubles de l'hôtel de février, déplacer, même ébranler la terre, secouer le monde sur sa base. Mais si nous n'avons pas un cœur repentant, nous ne pourrons pas plaire au Seigneur. Ce passage nous parle de l'intervention de Daniel qui a été invité par le roi Belshazzar parce qu'il avait une révélation, un songe et dont les sages étaient capables de donner l'explication. Il a fallu chercher quelqu'un qui aura la capacité d'interpréter les rêves, la capacité de résoudre des problèmes difficiles dans le royaume. Et ce roi, à cause de son incapacité à comprendre l'explication de ce songe, et fut effrayé et changea de couleur et ses grands furent consternés. Pourquoi? Parce que Belshazzar n'a pas reconnu Dieu comme Dieu de l'univers, comme son père qui est mort. Nous, quand nous avons ce sénéal, nous avons fait ça, nous avons tout de suite maou. Son père Nebuchadnezzar, qui n'a pas reconnu la grandeur de Dieu et qui se frappe la poitrine aussi, était mort suite à un châtiment de Dieu. Fofoa Nebuchadnezzar yema do jesi mauba ganyenyo ayeyin ton la sifuma kota be yenye yela kakava sede eimokuwa nene makeye efia ha ivanwe tepwa wenyema. Et comme la Bible déclare que tous les rois sont établis par Dieu, alors tous les rois, tous les responsables doivent reconnaître la grandeur de Dieu dans leur vie et reconnaître qu'ils sont établis par Dieu et donner gloire à Dieu à travers leur vie qu'ils mènent. Eye abale Bible to vwe me benade e fiao kata la mau bo chola e kama le na fiao kata bo wa tu chesi bena mau e do yote be mau e le yo dare e sichi e yo wa chongu chi koko e lo acho bubu ike jene ya me ane e besada qui avait organisé une festivité était éméché par le vin et commença pas à adorer ses idoles. Et Belshazzar yeva wo asadu du po wona de la enu wen le pema gbe kaka aye wo mu eleke po wen a ewo be na e ba ko eme. Et en ce moment apparut une main, un doigt invisible, un doigt qui apparut et écriva une écriture spirituelle mystérieuse que personne ne peut comprendre. Il voyait seulement le doigt écrit, mais il ne voyait pas le corps, la personne qui écrivait. Et
Dieu est un Dieu grand et aujourd'hui il continue pas écrire encore pour des rois, pour des hommes de Dieu, pour des chrétiens qui ne veulent pas se donner entièrement à Dieu et mener une vie d'intégrité. Et le maoula, maou kanye onye, maou tu as tué onye, et yé maou maïke mounou bemagbe, et gakpoto le chi le nou mounou chi egbe ha, na Christo tao, na fia yo, me chi bena yo, atso yo be chi, atronde e ya mang chi le pli, bonye nye mou. Et ben César fit venir tous ces astrologues, et tous ces sages qui avait la capacité, mais personne n'avait pas cette faculté de pouvoir lire d'ailleurs l'écriture et en donner les explications. Et Belshazzar là, et que tu as eu à Kounia Olao, il peut nous y aller au Katan, il peut magique Olao Katan, et pour on va faire ça, mais Benawatimo assez le cube de défiant comme et what de gomenaï, votre chope, votre toile, ou de que nous te témoignons aussi à l'oignon, ça me souhaite de voir de le cube de défiant au gomenaï. Et la mère de Belshazzar était dans l'obligation de jeter un regard dans tout le royaume, mais n'a pas pu trouver quelqu'un. Mais force de constater qu'elle a déclaré qu'il y a quelqu'un dans ton royaume. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens et des astrologues, des chaldéens et des devins. Eye, vas-y, fia ben nonchi, fia ben tasa ben nonchi, ben a wapwe me aklone benade. Ame yade le fia sa yame, eye le to upe akbe non keke ome la, le keba me ala keke li nunya anyasa pe keke li yade nwame. Eye ala moutete le si bena, e nou yinekpo le wode de fia me a, watemo ade kome na. E, cette description détaillée de la vie d'un être humain était celui de était celle du de Daniel. Et il allait au fond pour tout le temps amé à mutido ou de comme une nuit ben mutete au lemé et bobo triako ya le le que pas mais amé là amé y ouigné amé y tout le mpo pour un couro le tepe ya y ouigné Daniel. Et d'où venait Daniel? Si caé Daniel chou. Daniel est-il un Babylonien? Daniel est Babel, ni Bajito. Non, c'est un hébreu. Ah, au hébreu, fils. Daniel était déporté comme les autres. Daniel Hala au pleide à Boyome à Berme Bouvoke. Il a mené en captivité. Au pleide Tronibanchi. Et à Babylone. Et le Babel Nibanchi là. Il a fallu qu'on choisisse des jeunes issus d'une famille noble. Et Fanny Abenade, Watcha, et Sore Yo Keto, et Fianinibo Pomeome. Et devait suivre la formation. Et comprendre leur langue. Et c'est ainsi que Daniel a décidé ne pas déguster le mets royal de peur qu'il ne soit souillé par ce mets. Allez, Daniel, il y a va chier bena. Tout bobe ou pleva si ça mais. Ayez, fia pon doudo, nok plonti ou nok pom le plonti hala. Ebe le document, tia bena. Yema kasi, fia pon doudo mouti. Allebe yava akble corona yoke. Allo yava cho. Nous yinye poussounou. A toi akble corona yoke. Daniel a décidé de marcher avec son Dieu. Daniel y a tien plus pas bien à son bacle et peu ma ou. Comme de chrétiens ont décidé de marcher avec leur Dieu aujourd'hui. Nene Christ ton yo chien bena yo a son plema ou et peu. Combien de ministres de Dieu décident de marcher avec Dieu aujourd'hui? Amen nene ma ou to la yo chien bena yo a son bacle ma ou et peu. Écoutez, écoutons bien toutes les qualités, les qualifications qu'on a trouvées dans la vie de Daniel. Nyantom y doto. Ye miasse et nous nous allons atteindre yo katan tio kelo le Daniel meada. Dans le verset 12, les peuples oui et ferme. Parce qu'on trouva celui, c'est Daniel nommé par le roi Belshazzar. Un esprit supérieur. Et là, ben, et Boko Triako, plus si j'ai eu au port le Daniel, mais. Et d'où venait cet esprit supérieur? La fille, elle est que vous Boko Triako a tchonné. Et quel était son fondement? La fille, elle est que vous commandez au son fondement
il a l'esprit supérieur avec comme fondement la sanctification, le cœur libéré, le cœur saint, le cœur planifié, le cœur réceptif. Et cela a fait de Daniel un esprit supérieur en lui. Daniel Melan, Mia Bobenade, a coquenin back beade, a ye noya mame, a beade ye throw the mounty, a tiade ye get the dip of Wokata leukemia, ye weben and lek of Bobotriaqua, Vahuanino le Daniel McLean. Un cœur de pardon, a chochoke petit. Un cœur de fidélité. Nous te faisons petit. Un cœur d'intégrité. Ce cœur. Le Québécois. Avec la capacité de bercer l'esprit impé supérieur. Nous te tenons aussi benare. Un cœur connecté à Dieu. Un cœur rattaché à Dieu. Un cœur à l'idéal du cœur de Jésus. Un cœur qui permettait à Daniel d'éviter le péché. Et sur cet esprit supérieur qui est assis dans ce cœur qui constitue un vase. S'ajoutant ainsi la science, la faculté d'expliquer les énigmes. La faculté de résoudre des questions difficiles. En trouvant chez lui encore la lumière. Jésus nous compare à la lumière. Il y avait la lumière à Daniel. On trouvait encore une sagesse extraordinaire. Les sept qualités requises sont ajoutées à l'esprit supérieur qui est basé dans un cœur sain. Et c'est ainsi que Daniel s'était préparé et avait une capacité divine, avait une capacité, des capacités données par le Saint-Esprit, et marchait dans la case de Dieu afin de pouvoir se placer au-dessus de toutes choses et marcher dans le spirituel et pourrait comprendre le sens fondé des révélations, des songes qui constitue des mystères cachés que Dieu révèle à ses enfants. Alléluia, nous t'étais au vano Daniel mais le kawenye nous t'étais yao et yonye nous t'étais yo nomé bo wate mo ate tronc comme wate nous yonye nous wa oula kobe elle avait yo traye pe chiame do tala nous t'étais yo au pon no pele e ya me ame et nous yonye nous wa oula oula do ame beto pour me vite ola et ya ate pon nous t'étais bo de wakata gome. Et ce qui confirme la vie d'intégrité de Daniel, c'est dans le passage que nous venons de lire et qui a rejeté la proposition du roi. Il a rejeté la vie de corruption. Il a rejeté l'offre du roi. Le présent que le roi avait proposé de donner après avoir expliqué ce songe, il l'a rejeté. Et nous, il doit être Daniel a fait ma dîme à dire que non, et si là, à l'oignon, mais à des fonds, ma fond de dîme, les moutiers là, et il y a un peu nous les sanous doudou pour ma fille de si à l'époque, un peu nous les fiers pour nous doudou, pas que les fiers pour nous nana yo, kata ouane, les yimé ou tu dois être comme. Et
Et ce qui suppose que David, Daniel, avait une vie exemplaire, exempte de duplicité et de duplicité, de cupidité et de corruption. Et il y a comme quoi il y a ben là, il y a des filles à côté ben là, Daniel a agbé à des ignes, pendant une nuit pour agbé et noisy, et il est capable agbé là, et des ni à bien probé c'est bla hoho, alors à quoi c'est bla les amis dont il y a des choses dans quoi les agbé mais parce que quand lolo vivi faut pour me vivre des années là, et des choses les y peut agbé à mais alors. Nous, en tant que croyants d'aujourd'hui, nous devons être des modèles, avoir comme Daniel une vie exemplaire, exempt de toute duplicité, exempt de cupidité et exempt de corruption. Et il y a un là avec Christ autour et Béla. Daniel peut agbeyadou la nomi assi. Bonen peut agbeyadou la nomi assi. Agbeyimeye. Et il y a un peu agbeyamefe. Allo, nous avons fait adje le kota. Bon, ma belle. Et il y a un peu le même là. Nous voulons le nye. Et quand l'olo vivifo pour me vie. Ma nomme o. Allez à koye mia pakbeya. Atiangye pode nous pakbe. Et il y a un peu à sopakle. Daniel peut agbe non non. Daniel reconnaissait que ses qualités, ses capacités qui étaient en lui, données par Dieu, n'étaient pas le fruit du mérite, mais étaient le fruit de grâce. Daniel, tu es si bien à l'écoute, yo que noyeme, yema ocho de yemela, menye yento yepa bagba tche, pokuche tche o nyo fo, gake nou tete yola, ocho amanouveve, et amanouveve à l'écapo bol. Et il a été donné gratuitement et lui aussi devait exercer ce ministère gratuitement. Et il y a nombreux sont ces ministres de Dieu aujourd'hui qui ont vendu leurs droits de naissance. En acceptant des compromissions. Quant à la vérité, en échange du luxe et des postes élevés. À cause de la corruption, à cause de la cupidité, à cause de l'amour des postes élevés, aujourd'hui, la vérité est changée en mensonge. Mais quant à Daniel, il rejette l'offre du roi en des termes sans ambiguïté. Était prêt à interpréter gratuitement ce songe. Et yo no beso so benade le kepe etu ekukoya ya de gome e fetua de kema hoye. Et cela reflète un passage de Paul, l'apôtre Paul, qui dit dans 2 Corinthiens 4 verset 2. Et ya et de apôtre Paul ope enyamo pouvoir do fia le Corinto to e felia et ta amene. C'est un passage que j'aime beaucoup. Et que nous les chrétiens nous devons aussi aimer. Nous pouvons lire à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1-2. C'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'adhérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous les connaissons tous et Velia et Damene, Koukouk Banchoyi et Féame. Et affirme à Mlorobe, et Yata, et si, soubo dossi à l'émiassi, abe alessi, miopo, nubla, nupopo, et Nela, de di mette mi à nous au, que. Nous sommes bien,
hafi bon ni etoa nyatefe fe de defia de ami ando ku fia amawo kata fe ditinya le mawo ko nkume Galate 16 il déclare les popoui adien mer et globe c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et yata de dimeti miang o et lorsque même que notre homme extérieur se détruit kené mia fo gota blena han la notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que mia peut la soyez sa vie intérieure était plus importante à lui que la vie extérieure. Daniel, il peut même pas acte non noir. Elle ne veut fier sur où il peut goûter comme toi. Quelle est ta vie intérieure? Qu'est-ce que tu veux? Même pas acte non noir. Quel est ton homme intérieur? Où amène ni même toi les qui ou les où? Quelles sont tes conceptions personnelles? Les qui ont ton souci na nous le de quand au cul aussi nous. Qu'est-ce que tu nourris en toi lorsque tu es seul? Nous carrément tu en as déjà au cul mais n'y a pas où de car les lieux. Que rejettes-tu? Nous carrément les peines à nous le. Et qu'est-ce que tu gardes? Paul a dit nous rejetons les choses honteuses. Paul le voit mais globe n'a rien. Nous le nous prenons au bord. Qui se font en secret. Yo on a les ramés. Daniel a rejeté les choses honteuses. Daniel là nous prenons au bord. Pour ne pas avoir une conduite astucieuse. Allez benade à faux band après acte non non. Alors pour s'en sortir nous accanons ici haut. Pour ne pas altérer la parole de Dieu. Mais ma badana fona ma ou peigna là haut. Mais au contraire. Que bon. Pour avoir une conscience vivante, une conscience propre devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à mener une vie d'intégrité, c'est parce que nous avons une conscience morte. La conscience morte nous conduit à détruire la vie de nos prochains. Et ce qui fait que nous sommes devenus aujourd'hui les tueurs de destin. Les tueurs de ministère. Et cela engendrera des conséquences désastreuses. Et cette capacité a fait que Daniel a pu décrypter une mystérieuse écriture miracle annonçant la prise de Babylone. Et le capon nous tétia, et demanda Daniel Benade au titre et toi comme il va être Benade et Babel peut jouer, peut gloire. Annonçant la prise de Babylone. Et si nous continuons par lire les pensées de l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, verset 17 à 20, alors l'apôtre Paul arrive à nous situer afin que les croyants du Nouveau Testament, les croyants d'aujourd'hui, les croyants dirigés par le Saint-Esprit puissent identifier leur vie par rapport à celle des païens, puissent mettre une distinction entre la vie du croyant et celle du païen au milieu d'une société perverse. Et ennemi baïde apostle Paul au peigne amo pouponu les effets sur toi est amené pour lui andrema mia probena le tepe ya si bede alle ye fofo totolo la no Christo to pa le trois sous bolo au domé a de nuit do la no Christo to aussi le kike gbegbre le kike fondi e kike ye sanu dudu e garo lo pa pele nu gbegbre pour me vie fofo le mea fofo toto do la no Christo to domé ya gbenu do la no asia e gba si bere ji kote le tepe ma e danse dans les pensées de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, nous voyons ici la vie de sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Et il y a le port et Christ topa agbenono inye agbejaje inye agbekokwe y est titré de trois soubala lo chichia moto ope agbemanyomanyo sanoudoupe agbebo. Et les caméras célestes nous conduisent vers Éphésiens chapitre 4 verset 17
verset 20. Eye ti po pe enu po mo la o promi cho ide e fe soto e damene popo wi andre cho ide blafe amen. Voici donc ce que je dis. E fo azon enyi nyai promele nyesi. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Bakple nyai pe da se dim lele mele la fo to me nyesi. Il n'a pas dit ce que je déclare dans le monde. Bak blobe nui me vum mele le hihi ame o. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, ma vie ne doit plus être identique à celle des païens. Ma vie ne doit plus être identique à celle du monde. Et il continue à dire, ces païens marchent selon la vérité de leur pensée. Ils ne nous ne devons pas marcher comme les païens qui marchent selon la vérité de leur pensée. Mio Christo tori melle nami benya bano soso abe tro suba la ohiya me to yo sonale wa beta me suso be yakanu owo me ela ene o. Donc il donne la raison pour laquelle il dit que les païens marchent selon les vérités de leur pensée. Azon susu yo tutube o plonya yala egble de fia kote ale ye nu ye tutuna tro suba la o alo kiki me to o sonale wa beta me suso be yakanu owo me. La première raison pour laquelle il dit qu'il marche selon les vérités de leur pensée. Jésus subato itaye apostolo Paolo probe tro subala osonale wa ko tamo susobe yakanu owo mela izo l'intelligence obscurci comme et bro banto enyebena wa pe tamo susuo doa vivici. Donc dans leur pensée il y a le noir le wa pe anyasame le wa pe tamo susumela nu yibole me tout comme le monde est noir be ale hihia mha la vivici alo nu yibole me ne et le noir est en conformité avec le prince de ce monde des ténèbres qui est noir et qui opère dans le noir et les chrétiens aussi veulent opérer dans le noir. Ye nui bola eso pakle ki kia me pe efia vi ye les sosan alo le nu wom le vivitime e ye Christo ton a chope voto la ohon le titime yo ano ape nom alo no so dem le leke pe viviti ame. Et c'est pourquoi quiconque marche, quiconque opère dans l'obscurité, qui ne fait rien et d'apparence aussi marche selon les vanités de son cœur, de ses pensées. A messia me yike les ensemble, les kikia me peut vivici, me peut nous on en nous là, que yiranya meade yike les ensemble, l'ou le nous on le yé peut tamo soussoube yakanou en romé. La deuxième raison pour laquelle l'apôtre Paul déclare que les païens marchent selon les vanités de leurs pensées, et soussou félien yite apôtre Paul le me boumbena de ton soubolo son alé wapé tamo soussoube yakanou en romé là. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et yé benade. Ils ne connaissent pas Dieu. Et leur vie est en hostilité avec la vie de Christ. Leur vie est en opposition avec la vie de Christ. Leur vie est pêle-mêle. Et cela marche en ennemi de la croix de Christ. Les gens avec Christ. Et beaucoup de chrétiens aussi marchent en ennemi de la croix. La troisième raison pour laquelle Paul nous dit que les païens marchent selon les vanités de leur pensée, c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance. Il y a l'ignorance en lui, en eux. Si matche, elle le wame. C'est l'ignorance qui est si matche, non? Si ma voilà, si matche. Non. L'ignorance, ils sont ignorants. Au moins, il y en a de c'est ça. Yeah. Ils sont ignorants. Il y a l'ignorance en eux. Au moins, il y en a de que si matche, elle le wame. Alors que l'ignorance nous tue. L'ignorance, c'est le manque de connaissance. La quatrième raison pour laquelle Paul dit qu'il marche selon la
vanité de leurs pensées. Ils ont le cœur endurci. Ils ont le cœur de pierre. Ils ont le cœur de pierre. Même avec le marteau masse, on ne peut pas casser. Et c'est ce qui fait qu'ils sont capables de tuer devant les gens. C'est pourquoi ils sont capables de prendre la forme de truc devant les gens. Et ils sont capables d'évacuer des grossesses. Ils sont capables de faire les coups bas pour les autres. Ils sont capables de vider les caisses de l'église sans avoir peur, sans avoir la crainte de Dieu. La sixième raison pour laquelle Paul déclare que les païens marchent selon la vanité de leur pensée, c'est qu'ils ont perdu tout sentiment. Leurs sentiments sont morts. Leurs sentiments n'ont plus de vie. Ils ne sont plus sensibles à Dieu. Ils ne sont plus sensibles à la voix de Dieu. Ils se livrent à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté suite à la cupidité. Tu peux tout faire, mais si tu es cupide, celui qui aime l'argent plus que Dieu, et tu n'es pas transparent dans la gestion des finances de l'église, je ne parle pas pour condamner, mais je parle pour que chacun puisse examinés. Nous sommes tous appelés à une repentance. C'est le manque de cette repentance qui fait qu'il y a la division au sein de l'église aujourd'hui. J'aime plus parler à l'église que le monde. Parce que c'est notre vie qui doit refléter celle de Christ pour pouvoir briller dans le monde. Et les gens, les païens vont voir et venir vers Christ. Et dans le verset 20, Paul déclare, mais vous, mais toi, mais moi, mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Oh, comment tu as appris Christ? Comment j'ai appris Christ? Ma théologie doit m'apprendre Christ. Ma dimension élevée doit m'apprendre Christ. Et si tout ce que je fais, je ne révèle pas Christ, ni même de Christ. Dans mes attitudes, ma vie est foutue. Ma destinée est foutue. Je vais sombrer dans le mal. Et je serai perdu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin encore, je vais prier pour vous. Et le lundi prochain, nous allons suivre. On va continuer. Seigneur Jésus, nous
avons une vie opposée à la vie de sainteté chrétienne. La vie de Daniel en Babylone a reflété la gloire de Dieu et a permis aux rois successifs de Babylone de reconnaître la grandeur de Dieu. Daniel pas que non les Babel ni Bantila est de maupe agbe non maupe nti ko fia Christo peut agbe non fia ayé au démona fia yo katan va tele que be fia yo me benare wa tout ce maupe gagné et personne ne pourrait contester. Et il y a des thématiques titrées à Moutio. Personne ne pouvait s'opposer. Mais avec un thématique titré, car tout a été clair. Elle avait nos kata me copains. Tout a été lumineux. Nos kata la quelqu'un lumineux. Tout le monde a connu. A Messia me doit Jésus. Tout le monde a témoigné. Messia me dit d'assez le monde. Ses ennemis. Qu'elle ne payait pas photo. Qui parlait mal de lui. Yo, nos femmes voulaient nous. Qui voyait que sa vie était différente. Yo, nos pauvres pas béa et tout fona. Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'autre, la paix toi. Je vais te rassurer ce matin que. L'intégrité est un élément déclencheur de la persécution. Et Seigneur, comme Paul a dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Seigneur, si tu ne poses sur ta balance juste, quel sera notre pouvoir? Belshazzar a été retrouvé léger. Et le diable voit léger. C'est pourquoi il marche contre nous. Il sème la division. Il sème le régionalisme. Il a détruit le fondement chrétien. Et aujourd'hui, le monde est en train de noyer Christ. L'église. Oh Seigneur, sauve-nous. Ce matin, Seigneur, sauve-nous. Nos allées et nos retours. Doit permettre aux gens de voir Christ en nous. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, no.